Bonjour les amis, comment allez-vous? Ben moi ça va bien. Alors c'est sûr que la luminosité va être pourrie parce que dehors il fait moche, il est 6 heures. J'en profite pour tourner ma vidéo dans un autre lieu, donc dans notre pièce à vivre, sur mon bureau. Donc je ne sais pas, vous me direz la hauteur, tout ça, si c'est bien. Bon, il y a plafonnier, il faudrait juste une petite lumière là, j'en ai pas et je ne vais pas tout travailler. Je suis épuisée, donc j'arrête de faire des chipignous dans tous les sens. Hein. Vous allez prendre les choses comme elles sont. Enfin, comme dame, quoi. Bon, sinon, heureux, en bref, ça va. Hein. La vie continue son train-train. On court partout. Enfin, je cours partout, avec mon fils ou des amis. La pharmacie, on y va 50 fois. Ça va pas, il faut y retourner. Alors, moi, du coup, je vais chez le buraliste et je me paye des livres. Bah ouais. Il fait des poches maintenant, coquino. Il est coquin. Hein. Ah ouais, puis aussi, je l'ai oublié, c'est dans la chambre, chérie, dans la chambre. Et à la pharmacie aussi, maintenant, ils font Mavala en plus. Malava, Mavala, Mavala. Mais bon, je n'ai pas choisi les derniers Malava. J'ai pris le top coat. C'est juste soi-disant. Bon. Oui, là, c'est chez vite, mais bon, en même temps, je n'ai pas bougé du tout. Et puis, j'ai pris trois petits vernis autres. Moi, bon, je suis ruiné la baraque. Bon, alors, oui, on va papoter. Bon, lit, chérie, ça va. Il fait fauteuil, lit. Donc, c'est vrai que moi, ça me casse le dos parce que, bon, il marche tout seul. Hein, enfin, il marche tout seul. Oui, il marchote avec sa canne, avec sa béquille. Mais quand, par exemple, il est dans une mauvaise position dans le lit ou pour l'aider à se soulever du lit, il faut que je tire. N'ayant pas de force dans celui-là, regardez d'ailleurs, mon pull ne tient pas. C'est pas un pull épaule découverte, hein, mais bon, mon soutien-gorge, il est là. Ah oui, c'est la one again. Et du coup, celle-ci me fait horriblement mal. J'ai une tendinite, ça y est, je le sens. Parce que mais ça, je le sais, c'était prévu. Elle est surutilisée, sursollicitée, cette épaule, par celle-là. Donc, du coup, celle-ci, elle trinque. Donc, j'ai mal au dos et au bras. Mais ça va! Et le moral en plus aujourd'hui. Pourtant, j'ai vu mon fils qui m'a pompé l'énergie. Je vous jure, je suis revenue 5 minutes avec lui. Il m'a emmené donc à la pharmacie et chez le buraliste. Vous voyez que ça n'allait pas. Je sais quand ça va pas. On sait quand ses enfants vont pas. Enfin, alors lui, je dis ça va. Je dis qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Eh bien, je dis oui, je sais, tu as des soucis financiers. C'est vrai qu'il s'est mis dans des soucis financiers, mais c'est bien fait pour lui. Il a fait des choses n'importe comment, comme d'habitude. Ah, vite fait. Il a voulu refaire son appartement qui est en location les HLM, c'est nul. Il a refait magnifique. Il s'est racheté une plaque de cuisson, des trucs dont il n'a pas besoin puisqu'il est tout seul. Mais son truc, il sent que c'est sa solitude qui lui pèse. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais comme d'habitude, ça va être n'importe quoi. Sa solitude lui pèse. Il dit, je voudrais une femme, j'en ai marre d'être tout seul. Je dis, Rémi, pour avoir une femme, il faut la chercher. Il dit, ah ouais, je crois que c'est mal facile, un truc comme ça. Et on lui dit effectivement, il faut sortir de la mosquée, de la bande de cause, hein. De chez toi. J'ai failli lui dire, inscris-toi sur un site de rencontre, il y en existe pour les musulmans. Oui, j'ai vu ça l'autre jour. Mais jamais je lui ai dit, il va m'envoyer paître. Je lui ai dit, écoute, mais j'en ai marre. J'en ai marre, tu ne me parles pas. Du coup, je rentre à la maison, j'étais tellement stressée, j'avais envie de vomir. Et je transpirais, et carrément une crise d'angoisse. Mais c'est pas grave, ça m'a passé. Faut dire que je mange rien. Ouais, c'est pas bien, je sais. Alors, comme j'avais acheté un Twix à chérie, faire plaisir, j'ai mangé la moitié du Twix. Comme c'est bon, chocolat, c'est mortel, mortel, mortel. Quand je vais aller faire les courses, je m'achetais une tablette de chocolat. J'en mange jamais. Et ce soir, ça va être coup de porc, j'aime pas ça, mais tant pis, il faut les manger. Et lentilles pour donner de la force, du fer. Ouais, parce qu'on n'a pas faim. Là, maintenant, il commence à faire froid, donc ça, c'est bien. Mais j'ai pas envie de cuisiner. Ah, on va avoir une aide ménagère, tiens. On va avoir une aide ménagère. On doit être rappelé avant demain soir. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'appel. On a droit à 4 heures par semaine pendant 3 semaines. Et après, que 2 heures par semaine, tout le temps de champ. En tout cas, là, on va avoir 4 heures par semaine. Ça va être génial. Oh oui. Dommage, je n'avais pas la cuisine. Déjà, elle va me soulager du ménage, du sol que je peux pas faire. Bon, c'est pas sale. C'est pas sale. Mais je veux dire, on ouvre les fenêtres, donc il y a la poussière, il y a des petits morceaux de feuilles maintenant. Alors les gros, je les ramasse, les autres, je les ramasse pas, sinon c'est moi qui tombe et qui ne peux pas me relever. Je vous expliquer ça? Ah, je vous fais rigoler. Je crois pas que je vous l'explique.
L'autre jour, le premier jour, le vendredi après-midi, qu'on a ramené chez la maison, dans la cuisine, je vois une tache suspecte par terre, pas suspecte. Bizarre, quand je touche, juste en maison, je touche. C'était sucré, mais c'était dur. À côté, allongé par terre, sous l'étagère, nous avons du sucre de canne liquide. Parce que chérie aime beaucoup de Moretto. Bon, maintenant, on n'en veut plus. Mais bref, et le sucre de canne a coulé par terre et a fait un amas de sucre dur. Donc comme ça, de hauteur, je ne pouvais pas. Je me suis donc mise à genoux. Jusque-là, j'arrivais à me relever sans trop de problèmes. Je faisais chez la kiné, c'était un exercice. Bon, je ne me relève pas comme quelqu'un d'ordinaire. J'arrivais à me relever. Ça fait 5 minutes que je pars pour aller dire. Et là, je vous jure, les amis, je vous jure, j'ai mis un quart d'heure pour me relever. Cramponné à l'évier, je n'arrivais pas. Je me suis blessé le genou droit. Je me suis fait un hématome parce que je me suis trop appuyé dessus. Comme le gauche, je ne peux pas m'appuyer dessus. Je me suis appuyé sur mon genou droit de tout mon poids. Même en m'agrippant à l'évier, alors chérie, lui, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait rien faire. Il me dit, on va appeler ton fils. Je lui dis, c'est hors de question qu'on appelle quelqu'un pour me relever. Non, non et non, j'y arriverai. Non, du tout. Eh bien, j'y suis arrivé. De mon fort caractère, j'ai réussi à. Et j'étais très contente. J'ai enlevé la tâche et je me suis relevée. Je vous jure, j'en ai chié. Le lendemain, j'enfile le matin un truc que j'avais à 6 euros à acheter à une misère que j'avais pas essayé. J'enfile, j'arrive à l'enfiler, mais pour le retirer. Voilà, j'en suis. Voilà. Il n'y a pas de truc. Il n'y a rien. Je m'en suis vu comme quatre. Je me suis retrouvée. Parce qu'en général, je ne peux pas le faire. J'attrape mon pull ici, là, et je vais passer par devant, comme ça, pour retirer mes hauts. Et là, je me suis retrouvée. Le truc de derrière, là, ça sur la tête, mes bras comme ça, coincés, tout le coincé, là, avec le truc là sur la tête, et je respirais dans le pull. Et je riais, hein, parce que ça m'a fait rire, mais peut-être, tu dois avoir l'air con, ma pauvre fille. Et à force de lutter, j'ai réussi à l'enlever. Mais je ne remettrai jamais. Voilà, c'est des aventures qui m'arrivent et qui me font rire, parce que j'y arrive, nos vidéos. Mais c'est des aventures qui me prennent du temps, de l'énergie, qui m'épuisent. Puis c'est rigolo à raconter. Bon, 7 minutes, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais parler bouquins. L'autre jour, je vous ai parlé de ce livre de Raphaël Giordano, Le loup ou les longs. Oh, le loup. 1, 2, 3, 4. Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Alors, c'est son deuxième roman. Hein. Vous savez, le premier, c'était « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », qui était très bien. Donc, celui-ci, c'est pareil. C'est du développement personnel romancé. Mais j'accroche pas. Je suis à la moitié. C'est bizarre. C'est mal écrit. C'est pas profond comme approche. L'autre était beaucoup plus profond, le routinologue. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, Camélien, c'est une oreille. Donc là, si vous voulez, le thème est le même, mais c'est trop superficiel. On a l'impression qu'elle survole le sujet sans rentrer dedans. Et donc, on n'accroche pas. Le reste, c'est romantique. Donc là, c'est pas. Franchement, je ne vous le recommande pas. Je ne vous le recommande pas. Je connais quelqu'un, ma cousine. Coucou. Mais je crois qu'elle regarde pas mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit que pareil, elle a trouvé bien moins bon que le produit. Sinon, je me suis remise au thriller, vous l'avez dit. Donc, j'ai pris l'autre fois au hasard pour partir à l'hôpital, chez mon buraliste chéri, que j'enrichis d'ailleurs, le Jacques Expert de Gouttes d'eau. Donc, c'est un policier, je vais pas vous raconter, c'est le meurtre d'une jeune femme, et donc avec des suspects. Et c'est un inspecteur, un vieux de la vieille, qui, vous savez, comme on aime bien, qui mène l'enquête, une enquête très compliquée. Alors, je vous dis juste un truc, non, je vais vous spoiler. De toute façon, c'est écrit derrière. Qui met en scène deux suspects qui sont des jumeaux. Mais des jumeaux, vrais, vrais jumeaux, qui sont indiscernables. Waouh! Aujourd'hui, je vais écrire un livre, les mots me viennent mal. Et, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que, de temps à autre, je crois une fois par chapitre, il y a un retour sur l'enfance des jumeaux, donc le point de vue des parents et ce qui s'est passé dans l'enfance des jumeaux. Ça, c'est très intéressant, c'est vachement bien fait, c'est très prenant. On va de l'un à l'autre, on s'y perd, enfin, on s'y perd pas, mais on croit que c'est lui, on croit que c'est l'autre. C'est fabuleux. J'ai pas fini, il me reste. Ah, je suis obligée de le corner, je le lis dans le livre. Voilà ce qu'il me reste.
Voyez, voilà. C'est un beau livre, un gros livre quand même, il fait 300 pages. Qu'est-ce que je dis ? 380 pages. Il est super bien. Il dit 5 sur 5. Ah oui, fabuleux. Et tout à l'heure, chez mon bureau, chéri, j'ai lu celui-ci. C'est quelqu'un que je lisais beaucoup avant, Patricia McDonald. Ah. Personne ne le croira. Je ne sais pas, je l'ai pris comme ça, sans regarder ce qu'il y a derrière. Là, j'aimerais le lire. C'est aussi un thriller, hein, les enfants. Un impeccable suspense psychologique, tout ce que j'aime. Pareil, on revient dans le passé sur les secrets d'un couple bien établi. J'adore. Donc, bien sûr, on fera le point quand je les aurai tous eus. Mais bon, celui-ci, voilà, mais allez-y. Hein. Allez-y, bon sang, si vous aimez les thrillers. Oh, il est extra. Il coûte 7,60. Mais il est plus cher, il est moins bien. Après, c'est pas la même chose. Mais... Et celui-là, dont je vous parlerai, mais je vais pas l'entamer pour une fois. Parce que, comme c'est des thrillers, alors déjà que le mélange dans les livres, alors là, tu vas être la panique complète. Et lui, ça se langue du couloir, c'est bizarre. Je vais finir Jacques Expert et j'attaquerai Patricia McDonald derrière. Et j'arriverai à finir le jour où les lions mangeront les salles vertes. J'ai réussi à le dire, disons, sans bafouiller. En fait, je m'excite toute seule et puis après, j'ai une retombée d'énergie extraordinaire. Bon, je vais répondre aux commentaires de la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Parce que je ne l'ai pas fait. Je suis très mal installée là où je suis. Quand je suis sur le fauteuil, moi, je suis sur la table, je suis mal. Je vais peut-être y répondre ici. Mais c'est pas mon lieu favori, donc je suis pas à l'aise. Je suis là, je vais là. Bon. Voyez mon intérieur. Minimaliste. Non, j'aime pas le truc. Enfin, bon, on s'en fout. Cette armoire que j'adore. Que je dis à moi qui grince. Qui appartient à la famille de chérie. Mais celle-là, elle tient à peine debout. Après, elle tient debout. C'est mon fils qui l'avait dans sa chambre d'enfant. Qui un jour, très énervé, il a foutu un coup de poing dedans. Donc elle est un peu trouée en haut. Bon, il paraît que c'est réparable, mais je ne vais pas mettre les sous dans une verrerie. Et comme je ne sais pas faire tout seul, ça ne se voit pas, de toute façon, si je ne le dis pas, je ne le vois pas. Donc je vous dis, j'adore cette armoire. Alors ça fait un peu désuet comme. Mais moi, je ne vais pas m'amuser à faire un coin livre, un coin maquillage, je ne peux pas, je n'ai pas la place. Je n'ai pas l'énergie à dépenser pour ça. Je voulais vous montrer mon beau collier pompon. Coucou Tania, coucou. T'as vu, je le mets, hein. Boucle d'oreille. Donc ce matin, je me suis mis quand même un peu d'anti-cerne là et sous les yeux parce que comme ça, voilà, ça se fait un peu. Vous voyez, Droopy, vous connaissez Droopy, le chien. Je trouve que je fais très bien avec mes cheveux longs. Je fais très bien Droopy. Bon, ça y est, ça devient n'importe quoi, il faut que j'arrête. Je sais quand ça devient n'importe quoi. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis que je vous adore, je vous dis à bientôt.